Et bonjour tout le monde, salut Pampin, salut Rafa, salut Franck, bonjour tout le monde, nous sommes lundi 26 avril, la température extérieure est actuellement agréable, je vous dirai pas à combien elle est, j'en ai aucune idée. Si, tiens, on peut regarder vite fait. La température extérieure est actuellement de 11 degrés, ressenti 9, voilà, ça c'est la vie. Salut Papa Noël, comment tu vas? Bon, j'espère que vous avez passé à tous un très très bon week-end. On va baisser un peu le son de la zik quand même, parce que it is a little bit fort. J'ai un peu réorganisé mon bureau, mais il y a tellement de choses dessus que c'est un bordel, je vous explique même pas. L'important, c'est d'avoir la tasse de café, la manette, la souris, le clavier, il est accessible. Voilà. Voilà. Donc désolé, je suis un petit peu... Le nouvel écran, comment ça le nouvel écran? Ah oui, le nouvel écran, oui, bon ça on s'en fout. Avec la danse des hôtesses d'accueil. Bonjour, alors du coup, les nouvelles portes de sécurité sont sur les côtés. En cas de malaise, vous avez un truc sous votre siège pour pouvoir vomir directement dedans. Merci d'attacher vos ceintures comme ceci, de verrouiller comme ça et de dire que vous êtes prêt à décoller en levant les mains. Allez, tout le monde les bras en l'air pour dire qu'on est prêt à décoller. Wouh. Bon, allez, blague à part, température 11, point de rosée, moins 2, risque de givrage modéré, pas oublier la réchauffe en fin de croisière. Putain, mais je... Franck, dès qu'il commence à mettre de la réalité dans ce live, je suis perdu. Alors, nous allons dans une destination bien connue de nos camarades français. On continue un petit peu avec notre World Update. Non, tout soon pour celle-là. Hop. Nous continuons un petit peu donc notre balade dans la World Update 4 française. 4, 3, 5, 5, 4, 5, putain je sais plus, 4, bref. Bref, qu'importe. Nous sommes actuellement au-dessus du... Je vais y arriver. Au-dessus du phare de l'Eche Cap Ferré. Pourquoi je suis actuellement non autorisé à zoomer. Voilà, donc on est au-dessus du phare de l'Eche Cap Ferré. Et l'objectif, c'est d'aller faire un tour ensuite à la dune du Pila. Pourquoi? Parce qu'on était déjà allé à la dune du Pila il y a quelques temps de cela. Mais, c'était pas excessivement bien fait, hein, c'était tranquille pépouce sans plus. Et maintenant, ça fait partie d'un POI du World Update, donc du coup, on va aller voir un petit peu la gueule que ça a, maintenant que ça a été refait. Donc déjà, là, savoir qu'on est au-dessus du Cap Ferret. Alors moi, j'y suis allé
Le Lège Cap Ferret, j'y suis allé plusieurs fois avec mon équipe de handball. On est allé faire pas mal de tournois sur gazon Lège Cap Ferret. Et puis quand on n'était pas sur le tournoi, évidemment, on était à la plage. À la plage pour aller faire du sandball. Autant vous dire que du handball dans du sable, c'est juste exceptionnellement drôle. C'est très spectaculaire, c'est génial. En fait, tu peux quasiment pas dribbler, donc tu fais que des passes. Et en fait, tu gagnes un point par kung-fu que tu fais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le handball, le kung-fu, qu'est-ce que c'est ? Un handballeur, quand il tire, généralement, il saute et il tire. Sauf que si jamais... Et donc s'il marque, il marque un point. Mais au sandball, si jamais tu fais ce qu'on appelle un kung-fu, c'est-à-dire que tu sautes, et au lieu de tirer, hop, tu fais la passe à un copain qui lui-même est en train de sauter, qui l'attrape en l'air et qui shoot, et ben bah, du coup, ça veut dire que ça fait un kung-fu, donc ça fait deux points. Et donc du coup, voilà, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont touché la balle. Et donc si tu arrives à faire toucher un peu la balle à tout le monde au moment de ce saut, donc ça veut dire que chaque personne qui saute, qui attrape la balle et qui au lieu de tirer, fait un décalage sur le prochain, tu multiplies les kung-fu, donc c'est très spectaculaire, c'est très joli, les mecs se viandent dans le sable, c'est très marrant. Et généralement, ça fait plein de points, et donc c'est toujours un spectacle assez sympa, ça va très très vite, à 200 à l'heure, c'est hyper sportif, hyper, hyper physique, mais généralement, on se marre énormément. Voilà, si vous avez l'occasion... Quand le kung-fu-fuit, c'est extrêmement tuant, mais c'est un vrai bonheur. Après, les matchs durent pas autant de temps qu'un match de handball. Hein. Un match de handball, c'est 2 fois 30 minutes. Sandball, tu tiens pas 2 fois 30 minutes à cavaler comme ça sous le cagnard. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 2 fois 5 minutes ou un truc du genre. Enfin bref, on s'était fait un truc comme ça. Bref, on s'était quand même bien marré. Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire du sandball, pour le coup, il n'y a même pas besoin de savoir jouer, parce que tu n'as pas besoin de savoir dribbler ou n'importe quoi. Avant que tu sais tenir une balle et faire une passe, tu peux faire du sandball et c'est généralement très drôle. Voilà. Petite parenthèse, Lège Cap Ferret. Donc on arrive tranquillement à notre dune du Pilat, là. Ça a l'air quand même plus propre que la dernière fois. Je me souviens plus trop comment c'était la dernière fois. Il faudrait limite qu'on se relance la vidéo de la dernière fois, parce que j'avoue que je sais plus trop quelle gueule ça a. Mais plutôt, c'est pas trop mal, là. Tu choisis la météo, ils essayent du réalisme... Oula. Alors, articule, parce que là, du coup, ça va être compliqué. Non. Là, je suis en météo temps réel. C'est-à-dire que c'est, a priori, le temps qu'il fait actuellement. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour désactiver ça. Là, on est en météo temps réel. C'est-à-dire que on est vraiment là sur le temps qu'il y a actuellement sur Lège Cap Ferret. Après, on se mettra éventuellement un peu plus de beau temps s'il le faut. Mais voilà, donc là on survole la dune du Pilat. C'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas fou, c'est pas mal. Déjà, un match de lande complet, la dernière fois que j'ai essayé, c'était... Si tu passes dans le coin, on ira la voir. Une grosse heure de vol depuis Angoulême. Ah, mais grave, avec plaisir. Avec grand plaisir, mon cher Franck. Mais je me souviens plus, toi, t'as déménagé, mais t'es toujours aux alentours d'Angoulême. J'étais pas sûr de mon coup, on en discutait avec Raphaël la dernière fois. Et on se disait que tu étais d'abord à Angoulême et que tu avais déménagé pour acheter une maison. Et je me souvenais plus si tu étais à Angoulême toujours ou si tu étais dans les alentours ou dans le coin ou machin. Je savais plus. On va se faire un petit virage par là. On va se mettre en pause et puis on va se prendre la petite photo qui va bien. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hop, vitrine, tac. Oh, ça pourrait être rigolo de faire comme ça. Tiens, on va mettre l'avion droit, mais on va mettre le... La photo de Traviole. Ah, ça fait un gros banc, hein. Ça fait un gros banc de sable, hein. Là, on est sur du sable de qualité, messieurs, dames, là. Hein. Me souviens plus du bouton. Tiens, voilà autre chose. Voilà, ça, c'est bon. Cerise, ok, intéressant. Il y a le volcan à la run à pété. Quoi ? Attends. Cerise, ok, intéressant. Il y a le volcan à la run à pété. Articule, Pampin, je comprends rien à ce que tu dis. Ah d'accord, c'est en créole. Ah putain, mais ouais, je... Oh, ok, je comprends mieux. Mais je comprends mieux pourquoi je comprends plus. C'est une vraie montagne, montée d'ailleurs, c'est épuisant. Ah oui, non, mais clairement, c'est une vraie putain de montagne. La dune du Pilat, je suis jamais allé, mais de ce que j'ai pu voir, c'est des trucs à chaque fois. C'est insane en termes de temps et en termes d'efforts à passer. C'est un truc de fou, hein. Ah oui, d'accord, mais j'y étais pas du tout au niveau du crawl. C'est pour ça que je comprenais pas, putain. Bon, bah voilà. Dune du Pilat, check. C'est vrai qu'elle est pas mal, hein, maintenant qu'elle a été refaite. Franchement, pas dégueu.
Est-ce que vous avez d'autres endroits déjà prêts dans vos petits carnets, dans vos petits carnets de vol, les amis? Après, ce banc de sable, je sais pas si c'est vraiment comme ça. Ça a l'air moche comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'on a en face. Tu grimpes dans du sable, donc tu montes de 20 cm, ton pied descend de 15, c'est ça. Et salut Nikros, comment tu vas? Bienvenue à la dune du Pilat. Alors, est-ce que vous avez des destinations en tête ou est-ce qu'on pique un petit peu au hasard, parmi les destinations qu'on a? Bah écoute, ça va fort bien, Nikros, on est lundi, reprise du taf, reprise des pauses déj, j'ai presque envie de dire que tout va bien. On va se faire un atterrissage quand même, on va essayer de se poser dessus, ça va être drôle. Orangestad, Pays-Bas, Caraïbéen. Ah, Raph, à chaque fois, elle va aller aux Caraïbes, hein. Ça c'est un truc de fou. Hein. je l'avais vu, Joujou. Il y a un banc de sable en face, l'endroit est correct, la texture est beauf. En vrai, il a plus la couleur de la dune, d'accord. Je déménage de Charente dans le sud, je reviens des îles de la Réunion, la dune du Pilan, la Charente maritime, j'aime Fort Boyard, mais ça manque de relief. Ah bah ça, les reliefs, c'est clair que c'est pas en Charente maritime que tu vas en trouver. Papa Noël, ici, la tête est encore des Caraïbes, on n'a pas plu. Mais moi, j'aime bien les Caraïbes aussi. On va se faire un petit atterro tranquillou, Pépou, sur la dune du Pilan, ça se tente, ça. Vavaroum, vavaroum, vavaroum. Alors, où va être la hitbox? Grande question. C'est où qu'on va toucher? Hop là. On va pas y aller trop fort sur les freins, sinon on a tendance à se barrer un peu en hauteur, la coquine, là. Et ben voilà, posé, tranquille. Salut Maréchal Lo, comment vas-tu? Et bonjour les pauses d'Egiens. Salut Mouchou, comment vas-tu? C'est un avantage aussi. Ça m'a coupé les moteurs après avoir atterri dessus. Ah bon? Bah c'est pas que ça t'a coupé les moteurs, c'est que t'as cassé un moteur, c'est pas possible. Regarde, moi ça m'a pas coupé le moteur. Hein. Tranquille Pépouze. Regarde, marche arrière, créneau, plein gaz, on redescend tranquillement la dune. Hop là, limite on décolle trop. Hop là. Bon allez, on est reparti, direction les Caraïbes. Menu principal, tac. Attendez voir, juste que je récupère un truc. On va récupérer El Chat de ce côté-là. Oh merde. Hop. Ok, mar des Caraïbes, alors l'Altaï. Ah moi j'ai aucun problème. Hein. Attends quoi, j'ai pu rouler quelques dizaines de mètres et puis moteur arrêté sans raison. Mais tu vois, t'as eu le même problème que moi. Le moteur s'arrête sans raison et j'ai pas compris... Et j'ai pas compris du tout pourquoi. Pas très réalité pour ce coup. Bah pourquoi pas très réalité? Ah si, hein, carrément, hein. Ce genre d'avion, ça atterrit sur 10 mètres, ça décolle sur 10 mètres. Hein. Le XCOM, c'est un vrai bonheur pour ça. Hein. Carte du monde. Alors attendez, on va aller voir ça. Je vais aller vérifier quand même que j'étais en groupe désactivé, donc je vais me remettre en tous les joueurs, comme ça Papa Noël pourra nous rejoindre tranquillou. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, Ouais non, clairement Pimpin, il faut comprendre que le Savage Cub, ce genre de petit truc là, c'est... j'ai l'impression que le son du... C'est moi ou le son de la musique est vraiment très fort? Ouais non, on va baisser le son de la musique encore, hein. C'est très très fort les copains ça. Ah bah voilà, on s'entend discuter là. Non, le Cub, c'est... comment ça s'appelle? C'est un avion de brousse. C'est un truc que tu verras beaucoup sur des vidéos YouTube, etc. C'est ce qu'on appelle un stall, short take-off and landing. Donc c'est un truc qui a énormément de portance. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est quand il a beaucoup d'ailes... comment on appelle ça? La flèche? Non, c'est pas la flèche, c'est la... J'ai oublié, enfin bref. Le profil de ses ailes est fait qu'il peut avoir énormément de portance avec très très peu de vitesse. Donc ce qui fait qu'il peut se poser sur des distances qui sont très 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 courtes. Surface LR, voilà, merci, c'est ce que je cherchais, Franck. C'est cette surface LR, effectivement, qui permet d'avoir une très très grande portance à très très faible vitesse et donc s'arrêter sur quelques mètres, quoi. Hello Race Division, how are you? On me snob, non, on te snob pas, Nick Rose, attends 30 secondes, j'arrive, je récupère, j'étais en train d'expliquer les choses, et puis comme ça, je te snob. Salut OSM, comment vas-tu? Alors attendez, je comprends pas bien là, parce que j'ai raté un message de Nick Rose ou bien, parce que je le vois pas là.
Pourquoi je vois pas ton... T'as mis un message quelque part ? Alors attendez, déjà on va aller chercher, on va faire les choses dans l'ordre. On va aller chercher ceci. Ctrl V, hop. Orangestad. Donc on est sur Orangestad. D'accord, le stade orange quoi. Donc retour, oh là merde, retour dans les Caraïbes. Retour dans les Caraïbes. On va tranquillement se prendre les coordonnées de ce point là. Dans le coin, là, il y a un... Oh putain, trop bien, il y a un volcan, génial. Super, on va pouvoir aller voir le volcan, ça c'est cool. J'arrive les copains, j'arrive. Je vous reprends immédiatement, tout de suite, dès que j'ai mis tout ça et qu'on est tranquillement dans le chargement, j'arrive. Je ne suis pas en train de vous snobber du tout. Définir comme point de départ. On va se prendre quoi comme avion ? On va se prendre un truc un peu qui vole, quoi. Un truc un peu... Tiens, un Cessna, ça faisait longtemps. Tac, parfait, prenons ça. C'est parti. Je vous récupère. Non, pas toi, Nemesis, c'était pour Mouchou. Ah bon, monsieur Mouchou, elle t'a pas dit bonjour ? Elle a pas dit bonjour ! Ça, du coup, tout le monde, stade égale ville. Oh, j'en ai aucune idée. J'ai fait du 777 hier, tous mes packs sont vomis. Eh ben bravo, bravo OSM, c'est fort en chocolat. Hello Race Division, but it's a French stream, so I will not able to speak English all the stream. I'm sorry for that. I may try to check sometimes if you are still with us. My English is rich like my Taylor. Maybe he can speak Dutch. Alors, maybe he can speak Dutch, but very surely and fourly probably I am not speaking Dutch. Ah oui, c'est parce que j'ai pas l'occasion de te tuer en moto ce week-end. Ah bah ça, voilà. Mais ça, voilà, c'était sûr. Oh, le coin est très joli. On aime. Avec le petit lever de soleil, c'est cool. Oh, sympa. Mais c'est un volcan ou c'est une... J'ai pas regardé, c'est un volcan ou c'est une montagne du coup ? Pam, 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 pam. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Pam, 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 pam. Ah, je suis désolé, je suis d'humeur envie de danser là. Mouchou, méchant réplique de Hit Girl dans Kick. Quoi ? Mouchou, méchante réplique de Hit Girl dans Kick-Ass 2. Dans Kick. Je l'ai pas vu Kick-Ass 2 en plus. On va se récupérer un petit peu. C'est pas mal le coin, hein. Moi j'aime bien là. Hein. Moi j'aime bien le. Avec le petit lever de soleil là. On est quoi ? On est en horaire réel d'ailleurs ? Dites-moi tout là. Où est-ce qu'on est exactement ? Ah non. 5 heures. Là on est en horaire réel. Donc en horaire réel il fait un tout petit peu plus jour que ça. Mais ouais, c'est pas dégueu, hein. Il est sympa ce petit volcan là. Putain, mais ça faudrait vraiment que je fasse comme ça un jour dans ma vie, une île où dans le même jour tu peux aller. Mais remets ma souris toi. Mais bordel. Où tu peux faire la plage. Tu peux faire la plage. Ou le matin, tu sais, le matin tu pars. Un peu quand il fait encore nuit, tu pars, tu vas monter, tu montes sur le... Oh, Papa Noël qui est là dans le... qui était dans le cratère. Tu montes, tu vas te faire le lever de soleil sur le sommet du cratère. Tu fais petit-déj, déjeuner, petite rando et tout, machin. Et l'après-midi, tu redescends et quand il fait plein soleil, paf, tu te mets à la plage. Oh, faut vraiment que je fasse ça. Bali. Bah ouais, non, Bali, clairement, moi j'ai très envie de faire Bali, mais ça fait des années que j'ai envie de faire Bali. Il y a de la gueule quand même, hein, ce cratère. Franchement, c'est trop stylé, la zone. J'adore. Et c'est marrant parce que c'est vraiment... T'as plein de petits... t'en as d'autres, là. On a vu qu'il y en avait un autre derrière, là. Là, il y a encore d'autres volcans. La zone est ultra volcanique, quoi. J'adore les volcans. T'as de la chance que je t'ai claqué ce week-end, sinon tu passais pas la ligne. Ça y est, ça troll, ça se fight. Envie de le faire avec toi, même si déjà fait avec la bonne personne. Ah, mais ah, va. Ah, mais Bali, Bali, ce serait tellement bien, Bali, putain. J'avoue, prochaine grosse vague, Bali, ce serait top. Oh, putain, ce serait top. Voyage de noces
Voyage de noces. Tellement cool. Bah après, ouais, c'est ça, il faudrait regarder. Il faudrait voir en fait sur quelle île on pourrait aller qui est pas complètement blindé, qui est pas complètement blindé en termes de... En termes de tourisme, quoi. Sinon, c'est chiant, c'est vite chiant, très clairement. Oh là là. Et si on se met plus... Waouh. Si on se mettait plus de soleil, tu vois, putain, ouais. Ça, on aime ça. Ça, on kiffe ça. Ça, c'est beau, ça, ça, c'est de la belle beauté, ça. C'est un peu cramé, quand même, dans le coin. Hein. Tu sens bien que c'est chaud, quand même. Hein. Puis il y a juste la partie là qui a l'air d'être un peu plus... plus agréable en termes de température. Putain, c'est cool, j'ai trop envie de faire ça. Tu as 36 000 autres îles indonésiennes qui peuvent convenir. Bah ouais, je me doute que c'est la même chose, tu vois, t'es pas obligé d'aller à Bali, quoi. Allez, je file, des bisous les gens. Ça marche, mon petit Nicrose, des gros bisous. See you soon. Hawaï ou Polynésie pour le voyage de noces. Putain, mais ouais, mais Hawaï. Oh là 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 là. Si jamais on arrive à se marier à jour. Ouais, c'est vrai que c'est pas gagné, hein. Référence... Oui, bah l'île aux enfants, oui, l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays merdeux des enfants très vieux. Pardon. On fait un petit remix. On me fait un petit remix en cours de route. Bon, où est-ce qu'on va maintenant, les copains? Où est-ce que vous avez envie d'aller? On va faire comme si on n'avait rien vu. Ah non, moi j'ai vu, hein, clairement, j'ai vu. Plus la PNG qui voit moins de touristes. La PNG. PNG ou JPG? C'est quoi PNG? Le problème, c'est que c'est hyper difficile d'y voyager. C'est quoi PNG? Parce que moi, je connais PNG, JPG, GIF, MPEG. C'est ma destination de rêve. Ah, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais grave. Ça serait trop bien, il faut y aller. Faut qu'on aille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Irlande en vélo. C'est où la Nouvelle-Irlande? Je connais pas. Je savais pas qu'il y avait une Nouvelle-Irlande. Pourquoi l'ancienne, elle est... il s'est passé quoi avec l'ancienne Irlande? Ils sont plus contents? Ils ont fait un 2.0, c'est ça le deal? C'est quoi le problème de l'ancienne Irlande? Elle était pas prête? Elle était pas bien? Dublin, avec sa Guinness? Il fait plus chaud sur la nouvelle. Irlande 2.0, plus de chaleur, moins de pluie, mais toujours autant de bière. Y'a pas de Guinness! Ah non, moi j'y vais pas. Ah non, s'il y a pas de Guinness, moi j'y vais pas. Ta nouvelle Irlande, tu peux te la garder. Une Irlande sans Guinness, non mais foutage de gueule, la blague. Non mais sans blague, lol. Oh putain, y'a du vent là. Oh putain, quand tu rentres dans le cratère là, ça te secoue l'arrière-train là? De Dieu. Ah ouais, ça gigote, hein. Vain Dieu. Bon, où est-ce qu'on va maintenant, les copains? Ah non, mais c'est clair, c'est super beau là, ce cratère, alors je sais pas s'il y a vraiment autant d'arbres, parce que c'est vrai qu'on a bien vu que Flight Sim, dès qu'il voulait boucher des trous, il mettait des arbres un peu partout, ce qui est pas moche, hein, mais ce qui est pas forcément réaliste, mais j'avoue, putain, s'il y a autant d'arbres que ça dans le cratère, c'est super. Dans quoi? Tu vas perdre ton diamant si tu commences à critiquer la Guinness. Ah non, mais clairement, hein. Tape sur la Guinness et tu prends un TO, hein. Voire même un ban définitif, hein. C'est juste un peu ma bière préférée du monde entier. Donc on va arrêter de déconner, quoi. À 79, petit terrain, Alaska. Ah, je pense que tu devais nous donner un code et qu'on l'a pas eu, OSM. Mais on va aller checker ça, on va aller checker vite fait les coordonnées de Mr. Papa Noël. Menu principal. C'est surprise ou on peut regarder où c'est? Hop, merde, j'ai oublié le 3 à la fin, tac. Copier. On a le droit d'aller voir, d'abord sur Google Maps ou pas? On sort un peu de la saison de la Guinness, là, quand même, parfait pour l'hiver. La Guinness, c'est comme la raclette et la tartiflette. Il n'y a pas de saison. Vous arrêtez de me dire, vous arrêtez de taper sur la Guinness. Là, ça m'énerve, hein. La Guinness, il y a à boire et à manger. Il y en a pour toutes les saisons. Faut arrêter de déconner, quoi. Bonjour à tous et salut Nem, mais la Guinness, c'est pas vraiment de la bière. Oh putain, Mouchou, tu me théo triquel là. Tu me le théo tout de suite. C'est hors de question, je veux pas de ça dans mon chat. On n'avait pas fait une Guinness pour mon anniversaire à Bruges. Je crois bien, hein.
Allez, bim, Trickle qui prend un Théo pour 10 secondes. un peu quoi, attends, on sort un peu la... Ouais, non, mais on avait compris. Non, mais Trickle, la Guinness, c'est pas de la vraie bière, non, mais... Attends, pourquoi j'ai pas les bonnes destinations, là, 22 et quelques. Il s'est planté, le monsieur, là. Laisse-moi tranquille, toi. Contrôle V. Mais, il est con, ce machin, ou il est con, ce machin, là? Si on a dit copier, c'est pour copier, c'est pas pour faire de la merde. Il est con, lui, ou quoi, là? Alors? Et monsieur, vous allez... Attends. Ah si, c'est bon, on a changé. Pardon, excusez-moi. On a changé. My bad. C'était tellement proche que j'ai cru que c'était au même endroit. Et rebonjour, Trickle. Le mec vit en BE, il va boire une Guinness à Bruges. Non, mais t'inquiète pas. Depuis qu'on est arrivé en Belgique, on en a bu de la bière belge, hein. On est allé à Bruges, on a bu, comment ça s'appelle ? On a bu effectivement les bières du coin, on a découvert le pipeline qui descend directement de la, comment ça s'appelle, de la fabrique direction Bruxelles pour la, comment ça s'appelle, pour la livraison, etc. machin. Non. Pourquoi je vibre ? Parce qu'il est 12h30 et que c'est bientôt l'heure du défi d'atterrissage. Voilà pourquoi, messieurs dames. C'est comme une bonne salade de patates avec la cancoyote, c'est toute l'année. Exactement, la salade de patates, c'est une institution, la salade de patates. Rebonjour, je ne tape pas sur l'ambulance, hein, Kaspar. Rebonjour, Trickle, comment vas-tu? Si un de ces quatre, tu peux Islande au mois de février pour le Aurore Boréal, c'est ouf, et Big Volcan. Mais attends, j'ai ma souris qui vient de se foutre au mauvais endroit. Big Volcan. En Islande, on peut essayer d'y retourner. En Islande, on avait mis un nouveau truc. Par contre, les aurores boréales, je sais pas si on peut y aller. Où est-ce qu'on est, du coup? Ah ouais, non, c'est moche, là, on peut pas Noël. Oh, c'est pas modélisé du tout. Oh, c'est pas beau du tout. Oh, ça picote. Ah ouais, il devrait y avoir des watermarks en vrai, mais là, c'est pas beau du tout. Oh là là. On s'en va d'ici. On va quand même regarder ce que c'était censé être ces destinations, parce que ça avait l'air quand même sympa dans l'idée. C'était où? Oh, ça y est, il recommence. Même Google Maps s'est décidé à faire chier le monde, quoi. C'est fou, ça. Même Google Maps est pas d'accord. Alors, normalement, on aurait dû être ici. Oh, putain, ouais, ça aurait dû être beau, les watermarks, là, putain. Oh, c'est dommage. Oh, la vache, ça a l'air incroyable. Ah, c'est dommage, c'était moche comme tout. C'est bien ballot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un message... ah oui, il y a eu un message automatique, il y a eu un petit... oui, wanna become famous. Yes, I wanna become famous, but I don't want to buy followers. go Island, vas-y, on va aller en Islande, du coup. On va aller se faire un petit tour en Islande. Par contre, ouais, comme je te disais, c'est qui proposait ça? Ouais, Pampin. Le vrai problème avec l'Islande, c'est que je sais pas comment on pourrait mettre des aurores boréales. Je suis pas certain que ça soit inclus dans le bousin. Elle est où, l'Islande? Elle est là, l'Islande. Voilà, on est là. Evjdalf, crater, des orques, des blue whales, des lighthouses. Ça, c'est des trucs qui avaient été rajoutés. Où est-ce qu'on peut aller? Je crois que c'était par là qu'on était allé. On va aller là, on va aller en plein dans les terres là. On va aller se faire le petit. Truc ici. On va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de puissance, donc on va peut-être se prendre un truc un peu plus. Allez, aux grandes dames de Gauthier, on va aller prendre le caravan, parce que moi je l'aime bien, le caravan. Je suis né dans cette caravane. Sinon, défi atterro, le cratère, on ne l'a pas fait. Il y a un cratère sympa sur l'Islande. Ah, ça peut être intéressant. Alors, attendez, du coup, je récupère... Et d'abord, j'ai pas dit que ce n'était pas de la bière. J'ai dit que c'était pas vraiment de la bière, nuance. Mais Trickle, tu vas reprendre un Théo. Joue pas avec le feu, Trickle. C'est celui-là, le bon cratère. Bah d'accord, super, nickel. Comme ça, on va se prendre celui-là et puis on verra si on peut se faire un petit défi d'atterrissage par-dessus. Ce sera pas forcément une mauvaise chose. Delirium, bah ouais, la Delirium. Non, c'était pas la Delirium. Je reviens sur le chat par rapport à ce que j'ai raté, les copains. Si j'ai raté les trucs, hein, n'hésitez pas à me le dire. Non, c'était pas la. Si. C'était Delirium. Non, c'était pas Delirium, je me souviens plus. C'était quoi, Raph, le nom du truc où on est allé pour pouvoir avoir le. Tu sais, le pipeline et des machins comme ça? Je me souviens plus du nom que c'était, la bière.
Mais c'était, je crois pas que c'était la Delirium. Je suis un pyromane, c'est plus fort que moi. C'est où pour signaler un message offensant? C'est un peu ça le deal, ouais. C'est ça le cratère, là? Oh la vache! Oh, c'est énorme! C'est énorme! C'est le Titanic Park! Putain, mais c'est incroyable ce truc, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cratère? C'est ouf! Oh là là! Oh, putain, mais regardez, il y avait le... En plus, il y a plein de flottes à côté, là. On va peut-être pas se mettre en condition... Quoique, la condition réelle est sympa, en vrai, hein, mais... Mais rends-moi ma souris! Attendez, on va se mettre juste en... quelques nuages. Voilà, comme ça, on va voir un peu la gueule du truc, quand même. Wouah, putain, le cratère est incroyable! C'est incroyable. Attendez, on enlève ça, tac. Une brasserie de gueuse. Si tu veux goûter une lutin de bière, c'est la West Vlentern. Ah, ça, je connais pas ça par contre. Le pays s'appelle Iceland en anglais. Oui, ça manque un peu de neige, on peut en rajouter, mais on va regarder un peu la gueule du truc. Il fait pas de la neige tout le temps, hein. Glace comme dans glace! Comme dans froid, pour ceux qui ont la ref du coup de Cool Runners. Faut vraiment que je revoie ce film, putain. Mais ce cratère, il est incroyable, là. Il est juste fou comme truc. C'est dingue. Et du coup, le défi d'atterrissage, on le fait où? On essaie de se poser où? Comme dans C'est vachement bon quand on la mange aussi. Putain, c'est incroyable, cette zone. Je suis très très fan. Putain, on l'avait pas. C'est incroyable qu'on était passé à côté de ça encore. Moi, je pense que ce serait bien d'essayer de se poser là, de faire une approche qui vient d'ici et de venir se poser sur cette zone ici là, qui est légèrement ou l'inverse, d'arriver comme ça, de se poser au creux et de profiter de la montée ou là, venir se poser là tranquillement. On va tenter des trucs. On va essayer. Et clic, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a pas le truc? Attendez, c'est passé quoi? Y a Oudou qui a pris un abo. Attendez, y a pas eu le. Ah, pourquoi on n'a pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas eu le son? On aurait dû avoir le son normalement. Pourquoi on n'a pas eu le son? Ça ne va pas, ça, messieurs dames. Pourquoi y a pas eu le son? Attendez, j'arrive. J'ai pas eu le son! Pourquoi? Vous l'avez, vous, le son? Moi, je l'ai pas. Pourquoi j'ai pas le son? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je veux le son! Je comprends pas pourquoi y a pas de son. Attendez. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Monitoring est sorti, pourtant, alert box. Qu'est-ce qui me fait? Je comprends pas pourquoi y a pas eu le son. T'es pas juste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi je voulais le son. Bon, on n'a pas eu le son, mais merci beaucoup, Odou. C'est une arrivée qui fout le bordel dans le stream, mais complètement. On n'a pas eu Chauve Marcel, mais merci beaucoup et infiniment et plein de fois encore. Mais c'est insane, pourquoi on n'a pas eu le son? Oh bah non. Alors, mais ça c'est inadmettable. Il faut qu'on trouve il nous faut réparation. Pourtant, c'est l'ouverture de ça qui aurait dû fonctionner. On va éteindre et relancer. On va relancer l'alerte. Merci Oudou, voilà, bordel de merde, maintenant nous avons la notification, quand même, c'est quand même insane cette histoire. Ah, ça fait plaisir, Marcel il s'est barré avec son camion, mais c'est comme ça. Marcel il s'est barré avec son camion, vous voyez. Surtout ça veut dire qu'on peut plus envoyer de chèvre en compte. Ah, que quoi, c'est qui est encore retard? Oui, il est parti avec Thomas Pesquet, voyez-moi. Bah effectivement, Marcel il s'est barré avec Thomas Pesquet. Alors attendez, on va essayer d'abord de se poser sur ce grand cratère. On sort les flaps, on coupe les gaz, on se remet à l'intérieur. Et puis on va aller se poser inside là-dedans, là, parce que c'est trop mignon, tu vois ce que je veux dire, enfin. Limite, vous savez quoi? On va tenter un posé latéral.
en mode dans la pente. Moi, je suis chaud dans la pente, direct. En mode perte de portance. Ah ! Tu sais, comme les voitures et les motos qui sont sur... ou la NASCAR. Voilà, on va faire un atterrissage à la NASCAR. Oh putain. Oh putain, ça passe. Oh putain, ça va passer. Oh putain, ça y va. Bong, c'était un petit peu violent comme atterrissage, mais comment vous dire, on est plutôt passé pas mal. Oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Messieurs, dames, défi... Oh, on part en marche arrière. Qui c'est qui a oublié le frein à main? Il est possible que j'ai oublié le frein à main. Voilà, et du coup, en mettant le frein à main, on a tapoté un peu l'arrière. Mais c'est pas grave. Salut Papa Noël, comment vas-tu? J'aurais remboursé les chèvres s'il s'était crash. Bon, allez, en vrai de vrai, on avait vu qu'il y avait un défi d'atterrissage qu'on n'avait pas fait. Donc on va se faire un vrai défi d'atterrissage. Je reprends. Salut Landscape, comment tu vas? Comment vas-tu? Laurent, je t'ai vu arriver. J'ai un outil, j'ai un petit outil chatty qui me permet de savoir qui est-ce qui arrive plus ou moins en temps réel. Et du coup, Laurent, je sais que tu es arrivé. Tu ne parles pas beaucoup et tu regardes, mais je sais que tu es là, Laurent. Et salut, comment ça va? Putain, mais ça me fait tellement plaisir que vous soyez là comme ça. Là, c'est franchement, je fais juste une petite parenthèse. Ça doit faire quoi? Ça doit faire un mois et demi que les pauses déj ont démarré. Oh là là, oh là là, Roms 386 qui claque son plus beau prime. Merci à toi, putain, merci. Ça fait plaisir. Avec la chèvre. Putain, merci tout le monde. Merci Roms. J'étais en train de vous dire en plus que ça me faisait vachement plaisir parce que ça fait quoi? Ça fait... ça doit faire un mois et demi à peu près que les pauses déj ont démarré. Attendez, je reprends. Je voulais retourner sur Discord parce qu'il y avait un... De Funchal. Voilà, c'est le défi d'atterrissage Funchal que nous n'avions pas fait, qui avait été signalé par Papa Noël sur le Discord. En quoi? En vent violent. Donc ça va être quoi? Vent violent. Et il y avait Funchal Portugal. On l'a pas fait Portugal? Quoi qu'on vérifie. Du coup, Nem, si tu aimes les bières brunes, tu as goûté l'Orval. Ah, je connais pas, faut que je teste ça. Tu faisais quoi avant Flight Simulator? Je faisais beaucoup de choses et je continue à faire beaucoup de choses. Je faisais pas mal de Call of Duty, je faisais pas mal de Warzone. Mais j'ai arrêté parce que franchement, Call of Duty me saoulait, tout bêtement. Vous voulez pas savoir ce qu'il faisait avant. Allez, défi d'atterrissage. Et pour le défi d'atterrissage, hop, on va mettre... Le track hier, parce que ça a de la gueule. Remarquez sur cet avion-là, sur l'Airbus, je sais pas si ça va avoir de la... Oh, sur l'Airbus, je sais pas si ça va avoir de la... vraiment grand intérêt, mais c'est pas grave, on va le checker quand même. Donc je faisais pas mal de Call of Duty, je faisais pas mal de Warzone, je faisais du Apex aussi. Quand j'ai démarré la chaîne, je faisais pas mal de PUBG, donc je faisais beaucoup, voilà, je faisais beaucoup de FPS, beaucoup de... Comment ça s'appelle de Battle Royale. Aujourd'hui, c'est quoi Warzone? Aujourd'hui, c'est vrai que j'avais... En fait, c'est juste que personnellement, la partie FPS... Enfin, FPS, j'adore toujours ça, mais la partie Battle Royale a commencé à m'épuiser un petit peu. Donc j'ai voulu faire autre chose un peu sur la chaîne. Et surtout, j'avais envie de faire un truc un peu plus... Salut Poindra, comment tu vas? Funchal, c'est l'archipel de Madère, c'est pas le Portugal. Ah, on va se faire engueuler du coup. Moi, je fais des crêpes, mais aussi des pâtes, des frites le midi. Salut Freddy, comment tu vas? J'arrive pour la fin. Non, Poindra, pas encore la fin. Quelle heure il est? 43, il nous reste un bon quart d'heure. Alors, le défi d'atterrissage qui est à la bourre. On va quand même essayer de se le faire. Tu veux dire que... T'en es quoi? L'Orval, bière d'élite belge, fait encore avec des moines. Tu veux dire qu'il y a de la viande de moine dedans? Bon, alors attendez, bougez pas. J'ai complètement oublié de regarder où était la piste. À notre droite là-bas. Ouais, ça va être à droite là-bas. Donc, on est parti. On va essayer de se la faire un petit peu, un peu en mode réaliste. Avec le track hier. Allez, c'est parti. On va s'aligner tout doucement, tout gentiment. On est quoi là? On est à 140 nœuds. On va remettre un petit peu de gaz histoire de rester pendant le virage à peu près propre. Si vous voyez ce que je veux dire.
Elle est où la piste? On a perdu la piste. C'est le machin qui clignote là-bas, là? Alors, je suis un peu inquiet parce que du coup, j'ai pas regardé exactement quelle était la piste et j'ai bien peur qu'on prenne la mauvaise, en fait. Ça risque d'être un peu craignos. Attendez, bougez pas. Bon, en même temps, il y en a qu'une qui clignote. Alors bon, j'ai envie de vous dire... 140 nœuds. On serait pas un peu en train de se casser la gueule, là, les copains? En vrai, on aurait pas un vario qui serait un peu pas top, là? On va remettre du gaz, hein. Parce que sinon, on va se casser la gueule, hein. Moi, je le sens, hein. On va remettre un petit peu de flaps. Le problème, c'est que c'est des gros avions comme ça, je sais pas les piloter, quoi. Je les gère pas du tout, en vrai. C'est un truc de ouf. Attendez, on va recentrer ça, tac. Ça discute quoi? Ça discute bière, là, dans le chat, non? C'est celle qui te fait face, super. As-tu réglé le problème de moteur qui chute? Bah non, j'ai pas réglé le problème. Ça a juste arrêté d'arriver. C'est un truc de fou. Je comprends pas du tout pourquoi, d'où ça vient. Une bonne bière belge, pas très connue, car très peu vendue. À l'origine, elle est vendue qu'une fois dans l'année à la fête de la bière Bruxelles. C'est la Westvelartende. Putain, je me casse la gueule! Un discute bière, je me casse la gueule. Genre, les petits avions, tu maîtrises? Non, je dis pas que les petits avions, je maîtrise. Je dis juste que je m'en sors mieux avec les petits avions. Les gros, je galère. Est-ce que le train d'atterrissage est sorti, au fait? Non. Train d'atterrissage sorti. Ce qui devrait faire chuter énormément la vitesse, accessoirement. On va regarder un peu plus haut, là. On n'est pas très très bien aligné, hein. Puis on s'alignera pas aussi vite avec un Néo qu'avec un Cub, hein. On est d'accord, hein. On va se laisser faire quand même. On va se laisser y aller. On va se mettre un tout petit peu d'inclinaison d'aile, là. Voilà, histoire de commencer un petit peu notre virage. 140 nœuds. On réaligne un petit peu la barbac. On lève un peu le nez, histoire de voir où qu'on est. On remet un peu de gaz, parce qu'on sent qu'on est en train de se casser la gueule, là. Ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, là. Alerte! 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 Ça va pas du tout! Plein gaz! On remet les gaz! On va mourir! On va mourir! On va mourir, chef! Y'a pas de copilote! On va mourir, c'est la merde! On prend trop de gaz, on prend trop d'altitude, c'est la merde! On va se casser la gueule! Ah! On va mourir! Je suis trop jeune pour mourir, non, pas du tout! Non! On est trop à gauche! On est trop à droite, pardon! Je sais plus où est à gauche ou à droite, je sais plus où on est, j'ai coupé les gaz, on va courir, on va mourir! Oh! On est encore vivant! C'était le pire atterrissage qu'on ait jamais fait de tout de toutes les pauses déj. C'était honteux. 825 points. Attendez, moi ce que je voudrais savoir c'est si on est possible humainement de faire moins de points que ça. Attendez, m'aider. Non mais complètement, boire ou choisir, faut conduire. Attendez, je récupère le chat, attendez. Attendez, je récupère le chat. Qu'est-ce qui s'est dit pendant que je faisais de la merde? Bougez pas, il est possible de faire des moins que dans la du fromage. A été primé à plusieurs reprises et élu meilleure bière du monde de mémoire. Waouh, trop bien! As-tu réglé ton problème de hauteur qui chute? Donc ça, non, effectivement. Il n'y a qu'une boutique. Freddy Anosteke. C'est quoi, Freddy Anosteke? C'est une bière encore? Bourreau conduire, ben, je connaissais pas avant qu'un ami m'en parle. Je dois avouer que j'aime pas la bière. Ah! J'ai appris une médaille. De mémoire, elle est courte, la piste. Bah écoute, je sais pas si elle est courte, la piste. Mais attends, on va regarder vite fait la truc là. Objectivement, tu vois, 825 points, je sais pas s'il y a d'autres personnes, amis, là, qui... Il y a des gens qui se sont posés bien mieux que moi. Attendez, y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y a un M dans l'avion, il y a un M aux commandes, et donc du coup c'est très très grave ce qui se passe. On la refera, une prochaine fois, parce que là c'était l'horreur. Une catastrophe d'atterrissage. Ah mais complètement landscape, cet atterrissage-là était une catastrophe sur patte, hein, complètement. Hein. T'es pas mouru, mais c'est vrai qu'on n'est pas mouru. T'es pas mouru, Lan. Félicitations à Messier Bugatti qui fait vraiment des trains d'atterrissage solides. C'est vraiment bien le trackier, c'est facile à configurer. Ouais, je crois que Papa Noël t'a répondu un peu plus en dessous. C'est vraiment simple. Le pilote a acheté les clés par le hublot.
Trop cher pour ce que c'est. De quoi, la bière ou Ultra Kier, Papa Noël? Et effectivement, non, je pense que la bière. Le prix, il n'a pas au peu diminué alors que le Trek Canadien existe depuis plus de 10 ans. Ouais, j'avoue, ça, j'avoue que c'est... Bon, je pense que... Ah, le clip est sorti. Le clip est sorti. Bon, du coup, où est-ce que vous voulez aller? Les pièces sont très fragiles, il existe des solutions meilleur marché. Ouais, il faudra regarder. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vraiment gonflé. En fait, le trackier, t'as deux façons de fonctionner. T'as soit une façon, entre guillemets, avec juste les capteurs ici, et t'as une solution passive, et t'as une solution active que tu viens brancher sur ton casque. Et je crois que le mien... justement, le mien a pété un petit peu. Et c'est assez chiant parce que du coup c'est vraiment un truc sympa mais qui est ultra fragile. Tu peux bricoler un truc similaire pour une cinquantaine d'euros. Ouais, t'as vraiment énormément de trackier do it yourself. Le track clip pro qui se clipse plus. Ouais, mais en fait c'est ça qui est chiant, c'est que dès que tu... Le trackier aujourd'hui, je crois que ça doit être 120, 150 balles, un truc du genre. C'est vraiment pas donné comme saloperie. Hein. À l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. 150, ouais, voilà, maintenant, t'as vraiment des solutions beaucoup plus faciles à choper, quoi. Mais c'est vrai que c'est un confort. On se le mettra sur le prochain vol, par exemple, mais il y a vraiment des trucs qui sont très, très sympas. On va où pour finir, les gars? Il est moins 10. Où est-ce que vous voulez qu'on aille pour finir ce petit vol, là? On pourrait retourner au Japon. Odoo, qui nous met... Je sais pas si ça a déjà été visité. On va aller voir ça, alors. Anosteke Salon, saison élue meilleure bière saison du monde 2016. D'accord, Freddy, mais arrête de crier. Alors attends, Odoo, on va aller regarder les coordonnées. Alors, copier. On va checker ça là. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Qui c'est celui-là? Coller. Où allons-nous? Et pourquoi il me remet les mêmes coordonnées? Mais il est chiant ce truc là, ma parole. Impression qu'il sait pas faire copier-coller ce truc, donc on va faire CTRL-C, hein, voilà. 28, CTRL-V, voilà, paf, voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Oh, Cap Canaveral. Je sais plus si on a fait... Je crois qu'on s'est planté, on est allé à JFK, mais Cap Canaveral, je sais pas si on l'a fait. Cela dit, on pourrait y retourner quand même. On a déjà été... Ouais, il me semble qu'on avait fait... On avait fait ça, il me semble qu'on avait fait Houston, et après on avait fait JFK dans la foulée. Chaque année une nouvelle bière, mais l'Orval est tout à fait main. Mais de toute façon, vous n'avez pas d'autres 350, t'as un Oculus, donc bon. Alors, l'Oculus, on va faire les choses dans l'ordre. On va quand même aller à Cap Canaveral, parce que j'ai envie d'y retourner, et parce que Odoo a quand même claqué un beau sub, et ça fait toujours plaisir, donc pour la remercier, on va aller à Cap Canaveral. Voilà, ça c'est fait. C'est moi qui... De toute façon, c'est moi qui décide. Voilà. Et tac, voilà, on va se foutre par là, on va tourner autour. Il y a pas le POI, si il est là, Kennedy Space Center. Il est où le... Il y a pas la launch... Je sais pas s'il y a la launch box, elle est quelque part par là. On va regarder vite fait, attendez. On va se prendre ça, on va se prendre un avion sympa. Tac, on va se reprendre ce truc là, moi je l'aime bien. Tac, démarrer le vol. Et coucou maman, comment tu vas? On peut aller voir ISS. Ah putain, non, dommage. C'est dommage. Le Quest sans rien. Alors, pour info, sachez que... Du coup, moi, des casques, j'en ai deux. Il y a eu une époque, j'ai un peu claqué mon slip. J'ai l'Oculus Rift, premier du nom, et j'ai le Quest, premier du nom aussi. Et notamment, je l'avais pris en me disant que j'allais m'éclater sur DCS en VR. Et pourtant, j'ai une bonne machine, et c'est vrai que c'est vraiment pas... c'est pas le tip-top. Faudrait que je réessaye avec le Quest. Merde, il fait nuit. Faudrait que j'essaye avec le Quest. Mais le problème du Quest, notamment, c'est que tu n'as pas le... Oh, il fait moche Putain, il fait ultra moche à Cap Canaveral, là. JFK, pardon. Ciel dégagé. Hop. Oh, c'est joli, ce petit... on a trouvé un... Ah, mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas à Cap Canaveral, et c'est pour ça que, du coup, on n'a pas le pas de tir. On est à JFK. Alors, hop. Voilà, je vais quand même vous montrer le plaisir quand même d'être dans ce genre de configuration. C'est que derrière, voilà, tu vois, là, Papa Noël, on va essayer de le trouver, l'attaque. Il y a quand même des trucs sympas à faire. Oh putain, le reflet. Vous avez vu le reflet de la...
le reflet du soleil directement dans le truc là. Ça a de la gueule, hein. Je t'ai mis les coordonnées de la base de lancement. Ah bon? Merde. Merde, 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 merde. Bon, on va y retourner alors. Ah bah j'ai pris le POI en me disant que ce serait le POI qui serait... En fait, là, les coordonnées, on s'est souvent rendu compte que c'était pas les mêmes entre Google et le jeu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai corrigé en allant chercher le POI. Mais du coup, c'était peut-être pas le bon plan. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a aux alentours, là? Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Pas grand-chose, j'ai l'impression, pour l'instant. Mais voyez, en fait, avec le track hier, la bonne nouvelle, c'est que le... Comment ça s'appelle? On est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus... Tiens, le Space Center, il est juste en dessous, là. En fait, on voit que les mouvements sont beaucoup plus fluides. Alors là, on a le Space Center, déjà, qui est là. le Quest 2 en fibre ou 5G, faut que ce soit GeForce Now, soit Shadow, t'as un truc de ouf. Ah ouais, non, mais moi, c'est sur ma machine... pour le coup, c'est sur ma machine à moi que je gère. J'ai un poil de chat qui se balade. Et il faudrait que j'essaye avec le Quest, effectivement. Donc, le vrai problème avec le Quest que j'ai pu rencontrer, c'est que dès que t'es assis à ton bureau, en fait, il considère que t'es trop près de ton bureau et il n'y a pas un Leclerc. Et donc, il galère. Il galère parce qu'il dit « Oh là là, t'es près d'un objet, je refuse de fonctionner. » Et donc, c'est ultra chiant, en fait. À l'origine, c'est pour ça que j'avais pris le Quest au-delà du fait de jouer tranquillement dans mon salon et m'amuser sur les jeux à la con. C'était de pouvoir en fait jouer sur le PC avec le Quest de manière un peu plus un peu moins rigide, on va dire, que le Rift, et d'avoir tous les trucs qui traînent dans tous les sens. Et ce qui me fait chier, c'est que du coup, bah là, dès que t'es trop près de ton bureau, le truc il dit bah non, c'est mort quoi. Non, c'est des super rues ici. Je sors. Attendez, je vais couper ça, ce qui va pas me tourner la tête tranquillement. Ah, attends, du coup, tu me disais, il y avait les coordonnées... On va regarder un truc vite fait, là. Les coordonnées, c'est là. Ça, c'est censé être le pas de tir, c'est ça? Cap Canaveral, Air Force Station. Donc, il faudrait qu'on traverse le pont, en fait. Le visiteur complexe, c'est là. Il faut qu'on traverse le pont. Ok, on y retourne. Hop, on remet plein gaz. Hop, on repart par là-bas. Voilà, on va traverser le pont. Et normalement, le pas de tir est par là-bas. Près de la piste? Il serait peut-être proche de la piste. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Je me mets comme ça ici. Je trim un peu l'avion parce qu'il a l'air de vouloir remonter vers le haut en permanence. Ce qui est assez pénible. Ah oui, putain, oui, il est très trimé le machin là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, Jean-Claude. Reste avec moi, Jean-Claude. Base de lancement de Cap Canaveral. Ok, c'est juste après. C'est à gauche de la piste. Ok, très bien. On est géré comme ça. À gauche de la piste, il devrait y avoir le pas de tir. On va aller voir ça. Je te parie sur DCS, tu auras un impact de performance. En fait, sur DCS, c'est ça que j'ai eu du mal, c'est que j'arrivais pas. En fait, quand j'ai mis le casque VR, j'arrivais vraiment pas à lire les instruments avec le casque VR. Et c'était ma grande frustration, et je suis devenu fou. Et je dis putain, fais chier, il y a un Cora à gauche. Faut suivre les Tesla, vous êtes cons. tu m'étonnes qu'il n'a pas d'impact de performance vu que ton jeu est streamé depuis une machine tiers. Bah oui, mais après faudrait essayer. Franchement, faudrait essayer. Je ferai peut-être un test, tiens, sur avec le GeForce Now. Avec un compte gratuit, tu peux jouer quand même une heure. Éventuellement, ça vaut le coup de tester. Par contre, j'ai l'impression que le pas de tir, il est pas là. Hein. Ils l'ont pas modélisé, j'ai l'impression. Je suis en train d'aller un petit peu trop vite. Là, on va réduire les gaz. Salut Bivrox, comment tu vas? Il y a Pesquet. Mais ouais. Il y a Pesquet qui dit bonjour. Bon, il est déjà parti, on a 24 heures de retard. 24, 48, 48 heures de retard peut-être. Apollo 11 a décollé par là à gauche. Mais ouais, on est sur le... Clairement, on est sur le centre... on est sur le centre de lancement là. J'aime bien le délire de jouer partout, mais il y a des hicks. Genre, tu forces en 100 mètres, le matrix tient 30 minutes à peine. Ouais, putain, tu m'étonnes. En fait, ce qui est un peu relou, c'est que c'est... Après, t'es vraiment dépendant de ton débit, quoi. En Belgique, typiquement, tu vois, jouer avec ta 4G, t'es pas en forfait infini, donc ouh, ça picote. 72 heures de retard. Bientôt Space Simulator. 49h10 exactement de retard, merde. Après, les pas de tir sont vraiment sur la côte, peut-être que t'es encore un peu loin pour les voir. Bah, normalement, on devrait pas être loin là. Hein. C'est toute cette zone là. Alors attends, où est-ce qu'on est censé être? Où est-ce qu'il est censé être ce putain de pas de tir? Là, on va regarder ça un peu vite fait là.
On va se mettre sur pause vite fait. Tac. On va revenir dans le. Il est où le pas de tir là-dessus là? C'est ça? Cape Canaveral IFS Launch Complex. Ok, donc c'est ça. Donc on va longer la piste et c'est vraiment au bout du. C'est au bout du le bout de le bout de le bout du bout. If you know what I mean. Voilà, Z. C'est par là-bas. Alors attendez, on va aller voir. Tac. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Plein gaz. On va rajouter un petit peu de. Ce serait la grosse tâche juste devant là. Attendez, on va accélérer un peu le truc là. Ah, ça a l'air d'être là, mais c'est pas modélisé. C'est l'échec. C'est l'échec dans l'échec dans l'échec. C'est juste là en fait. Vous voyez, ils sont là, les pas de tir sont là. Mais not modélisé. Tous les machins ronds le long de la côte, c'est des pas de tir. Bah voilà, c'est ça. À côté du Burger King, mais qui est con, Freddy. pas modélisé, le pas de tir, font un mode. Kerbal Space Program, non, j'ai. Oh, 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 oh. On est en train de partir complètement en cacahuète. Voilà, j'étais en train de lire. Mais... Et voilà, ne jamais lire son chat quand on est en train de piloter des trucs qui volent pas bien. Là. Donc, non, Kerbal, j'ai pas encore testé Kerbal. Je pense que j'essaierai un jour. Mais ça a l'air vraiment pas simple en vrai. Hein. Star Citizen Beta Simulator 15 ans spécial édition. Star Citizen, putain, ça. Star Citizen, je crois que j'ai un vaisseau que je dois avoir qui avait dû être offert avec une carte graphique ATI à l'époque. Donc je dois avoir un vaisseau tout rouge aux couleurs, un Mustang, je crois, aux couleurs de l'ATI. Go, Kourou. Ah, peut-être aussi. Mais le problème, c'est que Star Citizen, en fait, j'ai jamais réussi à le faire tourner comme il fallait. Il est tellement gourmand en ressources qu'à chaque fois, il faisait exploser mon truc, quoi. 73h11 exactement, je me suis décalé d'une journée. Oui, bah mon avion, en fait, tu vois, en fait, mon avion, il s'est dit, tiens, on est sur un pas de tir. YOLO, moi, je suis une fusée, j'y vais. Pas modélisé, Kourou. Ah, oh, c'est relou. Le cosmodrome de Baïkonour, peut-être. Ah, oh, c'est chiant, c'est dommage. C'est ballot que ce soit pas modélisé. Bon, après, voilà, on est quand même... on peut profiter aussi quand même un petit peu de la zone qui, objectivement, est pas dégueulasse. Franchement, voilà, ça a de la gueule un petit peu aussi, le coin, en vrai. On est sur une zone un peu relax, tranquille. Kourou avec Vega. Vous devez mettre des scènes. Putain, faut qu'on essaie de trouver des scènes, Papa Noël. On va essayer de se trouver des scènes sur les pas de tir et on essaiera de se... Oh merde, un coucher de soleil. Bah dis donc, c'est incroyable. Dis donc, on l'avait pas vu venir, celui-là. Il manque des mouettes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mouettes autour du coin, mais bon. Après, on voit un petit peu, voilà, tu vois, on voit quand même un petit peu la gueule du truc, quoi. On se dit que le pas de tir est plus là, mais qu'il y a eu des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des choses. On sent qu'il s'est passé des événements, quoi. Là-bas, il est 7h du matin environ. Ben voilà. C'est pour faire moitié-moitié. Faire moitié-moitié. Putain, Trickel, je pense que tu vas extrêmement bien t'entendre avec OSM. Crop Circle, c'est des Crop Circle, c'est les aliens qui sont venus faire coucou. Bon, bah moi je dis on va aller se poser sur le pas de tir. Je suis une fusée. Hashtag je suis une fusée et je vais aller me poser sur le Crop Circle. Voilà, puisque c'est comme ça, j'y vais. Voilà, allez, on va se poser sur le... Bon, moi je suis un alien, je veux crop circler. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Puisque de toute façon, il n'y a pas de tir. Pose-toi sans frein. Ça se tente. Tu sais quoi, on va essayer d'aller se poser tranquillou en limite de vitesse, là. En mode, on cabre à mort et pouf, on pose ses roues. Je suis sûr que ça passe. Comme la Crew Dragon, exactement. On va se poser comme la Crew Dragon. En marche arrière. Tu stalls et t'es posé. C'est exactement ça. On va réduire encore la vitesse, là. Tac. Je sais plus si je suis full flaps. On va mettre full flaps. Alors, attendez, bougez pas. On va mettre un tout petit peu de gaz, histoire quand même de passer les arbres. Sinon, on va se casser la gueule méchamment, violemment. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. C'est quand même un sacré entraînement, hein, devenir stall sur ce genre de choses, là. Je suis peut-être encore un petit peu haut pour stall.
Pas de frein, pas de frein, pas de frein, pas de frein, pas de frein. Ah, encore un petit peu... On est encore un petit peu rapide. Hein. J'ai pas mis de frein. Je suis encore en train de rouler. Un petit peu long, du coup, quand même, le machin. Hein. Allez, je freine. Tac. Pas simple, Kerbal, mais apparemment assez réaliste en termes de physique. Oublie pas le past après le crop. Mais Kerbal, en fait, le problème, c'est que moi, je sais très bien que si j'y joue, il y a une chose que je vais faire en permanence, c'est de la merde. C'est mettre des roquettes partout pour que ça parte dans tous les sens. Et c'est sûr que, du coup, ça va être de la grosse merde. C'est sûr. Allez, on est reparti, mon kiki. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, moi, les copains, il va falloir que je retourne bosser, quand même. Parce que c'est pas tout ça, mais bon. Il va quand même falloir... La vie se passe pas toute seule comme ça, directement. Hein, le salaire, faut bien qu'il tombe à un moment, quand même. Et pour qu'il tombe, faut quand même bien essayer de travailler, hein, il paraît. Tu fais quoi comme travail? Je suis ingénieur en informatique. Je suis business analyst, pour être précis. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui essayent de comprendre le métier des gens pour pouvoir après le traduire en termes de semi-algo pour que les... Comment ça s'appelle? Pour que les développeurs soient capables de développer un truc. That is mon métier. Je suis ingénieur informaticien. Je suis électronique. Macroman. Toi aussi, ingé info. Bah, de toute façon, ouais, je pense que. Je sais pas s'il y a beaucoup d'ingé info sur Twitch, mais je pense que de base, à partir du moment où tu t'intéresses un petit peu à l'informatique et au stream, tu dois pas être bien loin de ce genre de métier. Courage, Nen, la même ici, reboulot après. Bah ouais. Allez, les gars, bon courage. Du coup, bon courage à tous, les gars et les filles, bien sûr. À chaque fois, je dis les gars, mais il faut vraiment que je m'habitue à être beaucoup plus inclusif là-dessus. Bon courage à tous. Il y en a plein des ingé infos ici. Ouais, j'ai pas ce problème. Moi, j'y suis déjà, bande de feignasses. Moi, je suis n'informaticien. Ah, bravo. Oh là 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 là. Bon courage pour ceux qui bossent. Bon courage à tous, et même pour ceux qui bossent pas, bon courage pour votre journée, ou bon plaisir pour votre journée. J'ai pas encore posté le planning de la semaine. Il y aura de toutes les façons du... comment ça s'appelle? Il y aura du Outrider avec la frangine. Il y aura... je sais pas quoi, trois d'autres encore. Mais il y aura des trucs, c'est sûr. Il y aura des lives. Je sais pas encore sur quoi, mais il y en aura. Moi, je dors au bureau. Est-ce que ça compte ou pas? Bah, moi aussi, je dors au bureau. Hein. Ça fait un an que je suis en télétravail, donc je dors chez moi. Hein. Une dernière nouvelle. Bonne journée, moi je chôme dur à la Nicole. Eh bien, écoute, bon courage à toi quand même, Pampin, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Tout le monde a besoin de sa petite dose de courage pour la journée. Moi je vais aller griller vite fait et me remettre devant mes fichiers Excel. Donc il y aura du Radio Trader, il y aura probablement un petit peu de Unlisted. S'il y en a qui sont chauds sur du Unlisted, vous n'hésitez pas, vous signalez sur Discord. Je pense qu'il y a moyen de faire des teams un peu sympas. J'accroche plutôt pas mal sur Unlisted, je le trouve vraiment sympa comme jeu. Bon après-midi, à demain, bisous maman, connais pas. C'est le nouveau jeu de Gaijin, ce qu'on fait War Thunder. Pizza, crevettes et choucroute. Bon après-midi à tous. Oh là là, mais Freddy, t'es pas croyable, Freddy. Un Dead Cells avec le chat Twitch. Putain, c'est vrai qu'il y a une intégration. Il faut que j'essaye. Il faut que je fasse un petit Dead Cells avec l'intégration chat. On va essayer ça. On va essayer de se faire ça dans la semaine aussi. Freddy, il faut que tu me dises quand est-ce que t'es dispo pour se lancer aussi un flash, je sais plus quoi. C'est quoi un Dead Cell? Dead Cell, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un jeu, c'est ce qu'on appelle un roguelike. C'est un jeu où tu avances. Il y a forcément un moment où tu vas mourir, tu vas revenir au point de départ, mais tu vas développer des trucs supplémentaires, des talents, des armes, des machins comme ça, qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Et c'est un style de jeu un peu plateforme pour le coup. Donc c'est du 2D. Et c'est assez cool. C'est assez cool. Ah oui, bordel de pompe à turbine! Je te MP ce soir, ça marche Freddy. Ça marche à tous. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas, vous continuez si vous voulez poser vos questions. Tu meurs, tu te frustres, mais tu vois vite ton évolution. Non, franchement, c'est pas le jeu que je trouve le plus frustrant.
il va jamais partir bosser, ça se tient. C'est pas le jeu que je trouve le plus frustrant, et c'est... Il y a beaucoup de roguelikes que j'ai vraiment pas aimé, mais pour le coup, Dead Cell et Hades sont vraiment les deux avec qui tu as un vrai plaisir de rejouabilité sur la partie vraiment pure roguelike. Sur ce, je vous laisse, si vous avez d'autres questions, vous passez par Discord, j'essaie d'y répondre tranquillement dans la journée dès que j'ai un petit peu de temps, et on se trouve du temps pour se gérer tout ça. Il est l'heure du café, ne pas oublier, merci. Allez, ça marche, gros bisous à tous. Je vous laisse tranquillement, sans cam, sans micro, pour encore quelques petites minutes, le temps de la fin de la chanson. Et je coupe, plein de bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. Et encore merci à tous pour vos abonnements et vos follow. Ciao, ciao. Merci cœur pour le sub, ça fait plaisir, merci beaucoup, 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 je t'aime fort. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai même pas lancé le recording, ce qui veut dire que, bah du coup, la VOD, elle sera même pas en 1080p. J'ai honte. Je suis une merde. Je suis désolé.